Yo, on a dimanche de et le gangster par l'amour. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour un deuxième épisode des archives authentiques. Connaissez-vous l'histoire d'Hisashi Uchi? Non. Eh bien, Hisashi Uchi était un jeune japonais à qui il est arrivé une bien triste mésaventure. Nous sommes le 30 septembre 1999. À midi, à la centrale nucléaire de Tokaimura, au Japon. Et Hisashi travaillant dans cette usine qui gérait de l'uranium. Et un jour, un terrible accident lui est arrivé. Car en effet, il a versé une trop grande quantité de solution contenant de l'uranium qui a été versée dans une cuve n'ayant pas de formation adéquate pour le faire. C'est alors que le drame a commencé car Uchi et deux de ses collègues furent touchés par les radiations. Hisashi fut le plus touché lorsque Uchi est arrivé à l'hôpital de l'université de Tokyo. Uchi, comme je vous l'ai dit, il fut exposé à un niveau de radiation beaucoup trop élevé. Et les médecins furent stupéfaits car il n'avait presque pas de globules blancs et son système immunitaire était mort. Il se mettait à pleurer du sang et sa peau se mit à fondre. C'est alors que dans les premières semaines où Uchi fut mis à l'hôpital, les médecins ont pratiqué d'innombrables grèves de peau et de transfusions sanguines sans succès. Hisashi les suppliait d'arrêter car il n'était pas un cobaye. Et qui préférait mourir. Uchi fut maintenu en vie pendant 3 mois, dans un coma, bien entendu, mais ses organes internes étaient désagrégés et il perdait chaque jour près de 20 litres de fluide corporel. Malgré le manque de précédents médicaux, les médecins l'ont maintenu en vie pendant près de 83 jours. Et voici à quoi il ressemblait à la fin. Attention, c'est choquant. Et voilà mes petits démons. C'est une vidéo qui était vraiment pas joyeuse, je l'admets. Sinon, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, mes petits démons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao. Je sais. Inutilement. Une lettre. Comment ça je reçois une lettre, moi? Je reçois jamais de lettre. Même pour Noël, j'ai jamais de lettre. Bon. On va voir ensemble ce que c'est, hein. Je viens de recevoir un petit mot. Je vous le dis. Loser. D'accord. Ah, pourquoi? Un nouveau film. Bien évidemment, je sais qui c'est. Qui d'autre pourrait m'envoyer des films? Chud. CHUD. Donc c'est le titre, c'est Cannibal Humanoïde Usurpateur Dévastateur. De la part du Conseil des Enfers. Non. Je suis choqué. Et de C. C'est qui c'est? Je sais pas. Bon voilà. Mon loser. Je vais m'énerver. Bon. Moi, je vais chercher le